tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà. Oh, mesdames et messieurs, il n'y a pas trop long. Voilà. Vous-même, vous connaissez les musiques et les tendances. Aujourd'hui, les gardes du coupé, décalé. J'ai décidé de me mettre un peu à l'écart. Juste pour voir un peu ce que les musiques font un peu quand je ne suis pas là. Mais j'ai commencé à comprendre que les musiques, les coupés décalés commençaient à bercer. Vous comprenez un peu. C'est commencé à bercer, ça dit ça, les musiques en bas, en plus. Tu vois. Parce qu'on a donné, les flambeaux aux petits. Mais les petits robots ont abusé, tantôt monté, descendre. Bon, on n'aura pas attrapé un peu les flambeaux. Vous voyez un peu. On ne va pas attraper les flambeaux. Ils ne sont pas trop forts. On va les soutenir. Voilà. Donc, alors, les petits qui sont maintenant à Abidjan, Ok. Alors donc, Safari, c'est un micro, bêta-té, Safari, c'est un bisou comme Ariel. Baro, c'est un bêta, c'est un bisou, c'est un champion. On a les bindogo, c'est un bisou, c'est quoi? Allez, papa, quoi, on va dire, non, c'est moi, les grands chanteurs. Et on va dire, non, vous comprenez? Ah, au comme il va l'obat. Tu vois. Parce que je ne comprends pas. Au soutenance, au soutenir. Bébé, bête, au champion. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Parce que Ariel est chaîné. Safarel. N'est pas parce qu'on est obligé champion. On est obligé de bébé. Même pas. N'est pas même pas. Ben oui. Ah. On va aller à la on ne sait pas. Parce que les gars, ils commencent bien et après, oh, une régression. Ben, pressé pour courir. On va dire non. On ne va pas tension, baisser. On va pamba. Balière, c'est bon. Voilà. Voilà, donc, excusez-moi les Ivoiriens, ce soir, le direct, c'est en Lingala. Voilà, parce que si tu ne comprends pas le Lingala, la plus belle langue d'Afrique, il faut savoir se maintenir. Oui, il faut savoir se maintenir et parce que les gens veulent m'entendre parler les choses. Parce que j'ai des choses à dire sur le coupé décalé. J'ai plein de choses. Voilà. J'ai plein de choses à dire. Naraba Opemba, Oroboro Baloto, vous aurez mes bichots, heureux. Chabo Pembe, Oroboro Rabisote, non, j'ai un non. Oui, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Ivoiriens, et ils adorent les choses et les buzz. Moi, je n'aime pas les buzz. Je veux juste seulement parler. Mais aujourd'hui, c'est en Lingala. Si vous voulez que je parle en Lingala, vous me dites parce que les Congolais m'entendent. Les gardes des châteaux rouges et châteaux d'or et tout le monde m'entend. Donc, venez jouer sur le parler en Lingala. Oui. Oui. On va parler en Lingala. Aujourd'hui, c'est Lingala sûrement. Oui. Oui, on va parler Lingala aujourd'hui. Parce qu'on a constaté que les Ivoiriens, quand ils parlent les Français, ils commençaient à prendre les paroles pour transformer, pour dire que tu as parlé mal les Français. Les Français, ce n'est pas nos langues.
ce n'est pas nos langues, les Français. Nous, les Français, on a appris le français et les coloniales nous ont monté le français. Oui. Parce qu'on parle le français, mais ce n'est pas le bon français. On fait, vous comprenez un peu, on fait avec. Voilà. Donc, on va parler le lingala maintenant. Parce qu'il y a les gens, quand ils parlent les faux français, ils prennent ton nom pour amener un peu partout, dire que tu as mal parlé le français. Donc, on va faire ces directs en lingala. David de lingala, tu vas comprendre. Voilà. Voilà, parce que il y a une fille qui prend les phrases des gens et puis elle transforme. Donc maintenant, on va camoufler les propos. On va seulement parler en lingala. Oui. Les fanatiques en lingala. Voilà. Aujourd'hui tout va mal, mais demain ira, si prêt à Dieu, Inch'Allah. Naya bibote ma, yada da da bango, yada sabada la de rinjala. Nde ma barile, e ma lirile, na barada de rinjala. Bah, ok. On laisse ça faire le lingala, la paix, les gens se retrouvent pas tranquille. Bah, ok, la fanatique, vous êtes trop manqué, voilà, c'est des bandeaux de Koumfa, le Mimi, voilà, champion d'Afrique. Juste pour vous dire que de Bayo Lukoumfa toujours tourné, contrôle toute la situation, voilà. Depuis près de 2 mois, voilà, ici en tournée, vous connaissez un peu, hein. C'est pas vos dates bizarres, les artistes, des maîtres, ils font leurs faux spectacles, ils mentent, ils viennent vous trafiquer, que non, ils ont trop les dates, et ils inventent, alors que c'est eux-mêmes, qui inventent spectacles, ils inventent les spectacles, et ils s'en vont. Ils vont dans chaque ville et disent non que ouais, nous-mêmes on organise nos mouvements, voilà, et puis on fait nos spectacles, c'est coin. Alors qu'ils n'ont pas de date, mais les riades, voilà. Il y a les artistes aussi, les morceaux, ça prend. Quand ils les voient, tu penses, c'est les ventuiers. Quand ils arrivent à Paris, ils sont silencieux. Voilà. Ils sont assis à la maison du début qu'à la fin. Quand ils les demandent, qu'on y est ici en tournée. Tiens, maudit ou bien, t'es en quelle tournée? Bah, t'es fou des gens ici, t'es en quelle tournée? Voilà. En Amérique, non, Déborah, tu tournes les anciens sons. C'est pas que tu tournes les anciens sons. Hein. C'est pour vous montrer combien de fois Déborah le coup va contrôle. Voilà. Il contrôle toujours. Et Amérique, ils sont en diamant en pampa. Ils sont pampan comme ça. Et quand on a Déborah, vous avez les sons, vous avez les sons champions. Moi, il a été clair. Il a dit, moi, je suis pas là. Je ne travaille pas sous ordre de quelqu'un. Je suis mon producteur, moi-même. Je m'auto-produis. Voilà. Voilà. Comprenez sur tout ça. Donc, mes sonorités là arriveront lorsque tout sera prêt. Voilà. Les gens n'ont qu'à s'embrouiller, même. Ils s'embrouillent, ils parlent pas. Mais depuis, ils parlent pas, ils font Facebook. Ils se coupent les galets d'en bas. Ça a corrompt. Ça a corrompt. C'est les pays frères sont en train de se bro tranquillement, oui. Ils sont en train de se gérer, voilà, pour pouvoir faire sortir le mouvement, pour essayer de guérir la population. Mais, les pions même qu'on attend là, c'est Déborah le confort. Voilà. Je suis le seul artiste à qui on demande pardon. Faut chanter. Bon, c'est que ça sera bon. Donc, les gars, calmez-vous. Voilà. Il y a Ramadan qui arrive. Vous savez que moi, avant de tenir, avant de lancer un mouvement, qui voit Ramadan, quoi, je suis obligé de respecter ça. Voilà. Donc, les gars, si je m'en étais au téléphone, vous comprenez un peu. Voilà, on va attendre, Ramadan va passer tranquillement et puis on commence les choses sérieuses. Voilà, parler de 2009 jusqu'en 2019, ça fait 10 années. On a fait le bilan, c'est propre, c'est zo. Depuis que Maro parle pas, il fait rien ici dans mon coin, les mouvements sont saturés, ça parle pas, tout le monde, le mouvement dort. On réveille un peu le mouvement. Voilà. En disant de Bordeaux, tu n'as aucune inspiration, de Bordeaux, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mais vous savez que moi-même, il n'est pas inspiration même. Mais ce qui arrive dans ton corps, vraiment, ça t'inspire.
Quand tu danses, tu es content. Donc, attendez quand l'inspiration va venir. Je vais chanter pour vous. Hein, les fanatiques, je vous adore. Alors, dames et messieurs, je vous donne mon programme le 12. Tout le monde à la place. Ça dit quand on dit Vendôme à Paris. Voilà. Il veut casser les Vendôme. Puis, il y a les morts qui sont arrivés ici. Ils ont tapé poteau Vendôme. Ils connaissent. Ils ont tapé 10 bas poteau. Ben, ils ont camouflé. Voilà. Ils ont camouflé poteau là. Mais le Mimi, on leur montre comment ça se passe le 12. Dans tous les fanatiques de Bordeaux du Kumfa, on se prend de l'autre côté du Vendôme, ce 12. Et le 13, on attaque l'Allemagne. Le 14, on tombe à Angers. Ça veut dire trois dates successives. Et pas vos conneries d'artistes, des maîtres qui se la racontent, quoi, quoi. Non, c'est pas dans ça. Si venir pour travailler, c'est pas venir pour m'asseoir. On affiche seulement. Oh non, Debolo, tu ne montes pas tes spectacles. Non, Debolo, tu ne montes pas, tu ne fais pas les vidéos. Il n'y a plus besoin de ça. Il va vous montrer quoi? Il y a quoi à vous prouver? C'est les fanatiques, c'est eux qui doivent montrer les vidéos. Même quoi. Il a fait quoi ça? Il va vous montrer que quoi? Non, j'ai rempli. Ou mais il a fait quoi? Ou bien ça a tué. Il n'y a pas besoin de ça. Si elle le fait, c'est pour juste vous dire. Je suis quelque part à tel lieu. C'est tout. Sinon, c'est pas pour chercher, non. Voilà. Donc, les fanatiques, ceux qui disent non, que ouais, on n'a jamais vu ton spectacle, mais quoi, quoi. Si tu veux voir mon spectacle, tu vas quitter ce direct-là, tu vas venir au lieu du spectacle. Voilà. Donc, les gars, je tenais surtout que ça déborde du confort. Les dates s'enchaînent et les spectacles s'enchaînent. Voilà, c'est le Mimi. Donc le 13, on se prend de l'autre côté de l'Allemagne. Mais le 12 d'abord, on est au Vendôme. Le 14, Angers. Le 13, Allemagne. Le 20, on se prend à Bologne, en Italie. Le 27, on se prend à Lausanne. Tout est quadrillé. En mai encore, c'est gâté, c'est djinzin. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. C'est comme ça que je suis. Voilà. Voilà, donc les fanatiques. C'est moi, vous pensez matin, vous m'avez trop manqué. Il fallait qu'il fasse un direct, sinon il n'y a rien à dire. Ouais, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire, c'était juste vous parler de mon programme. Voilà. C'est tout. C'était moi. Voilà. Donc, les gars, on est ensemble. Merci beaucoup. Ngonao. Ngono. Ngonao. Ngono. Mbarabodile. Ngonao. Ouais, c'est de Bolo du Kumfa. Ciao, ciao. Bon, les gars, moi, vous laissez. Voilà. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. C'est le Mimi. Abidjan, apprêtez-vous. Il arrive. Apprêtez-vous pour les sons. C'était moi. Ciao, ciao. Ancha encore. Le Mimi. Demain encore, il y aura une vidéo. Ancha encore.